le 22 mai 2020. Parce que n'oubliez surtout pas que j'avais montré que Marduk est mythomane. Osset Nefer est mythomane. Ils sont liés à la mythomanie. Donc ça, ça définit de tout ce qu'on voit avec les reptiliens. Et qu'ils font croire que soi-disant qu'ils sont grands, qu'ils sont puissants, qu'ils sont numéro un et que soi-disant qu'ils gagnent. C'est ça la mythomanie. Et dans mythomanie, ils font croire, qu'ils sont des déesses, des reines, des rois, des dieux. Isis en Anisimova aide, délivre. Et qui donne 2016. Le 22 mai 2020, Isis en Anisimova aide, délivre et qui donne 2016. La preuve est là sur la salope, la pute Osset Nefer. Le 22 mai 2020, Osset Nefer tombe au tennis. Donc sa fin. Et qui donne 2016. Le 22 mai 2020, Osset Nefer tombe au tennis et qui donne 2016. Qui joint des putes qu'on voit, les démons, les reptiliens au tennis. Et donc, on voit dans ça, on voit qu'il y a Isis qui est Anisimova, mais qui va contre Osset Nefer. Voilà, il faut bien expliquer sur ça pour aider ceux de la lumière à bien comprendre. Mais vous savez la vérité que Osset Nefer tombe au tennis. C'est sa fin fatale qui est là, à la salope, à la pute.